Enregistrement, voilà, parfait. Go back to monkey. Allez. Ah merde, je suis au clavier souris. Je suis au clavier souris. Donc j'étais en train de refaire mon crew. Et après il fallait faire des bébés. À foison. Pour faire des mutations. Et si j'ai pas de mutation, faut que j'aille près d'une pierre. Près d'un météore. Et dès que je suis près d'un météore, ça déclenche des mutations apparemment. Donc. Alors. Je sais plus ce que je faisais. Bien. Alors, le but était d'aller chercher des gens, parce que j'en avais plus. Bon, je vous laisse là, le temps d'aller chercher le peuple. Alors, où est-ce qu'il y a des gens? Ah oui, merde, j'ai pas changé le titre du live, c'est vrai. Voilà. C'est mieux. Alors, go back to monkey. Go back to monkey, go back to monkey. Alors, là, il y a quelqu'un. Faut que j'aille le voir. Et que je décrypte ce qu'il veut. Ça, j'en sais foutre rien. Apparemment, il serait dans cet arbre. Eh ben, let's go. Il serait dans... Ah, cet arbre. Ah oui, merde, mon... La tricherie. Pardon. J'oublie d'activer la tricherie absolue de moi. J'oublie d'utiliser les moyens qu'on m'a donné pour aller plus vite. Clairement, je vais aller plus vite. Hein. C'est horrible à dire, mais ça va tellement me faire gagner du temps sur ce jeu. Ça va être fantastique. Fantastique, fantastique. Hop, hop. Ça, ça. Voilà. Alors, mon pépère. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a ? Il va falloir que je sache qu'est-ce qu'il me faut, parce que c'est compliqué à trouver, hein, sans avoir les infos directes, sans avoir... Genre, faut tout tester un peu, c'est un peu la con. Alors, qu'est-ce que t'as? Tu te tiens le ventre, t'as mal à l'estomac. Alors, ce qu'il faut quand t'as mal, quand t'as bobo à l'estomac, normalement... C'est un truc qui t'aide à digérer, mais ça, je sais plus comment on le fait. On va être honnête. Ancestor. Poisoning. Poison cure. Alors, comment on fait? Déjà, excusez-moi, j'essaye de me rappeler. Alors, les outsiders, voilà. Hunger. Il veut, donc il a faim. Bon, faim, globalement, je lui donne n'importe quelle bouffe, ça devrait le faire. Il devrait y avoir de la bouffe, pas loin. Ça, ah, c'est du manger. T'aimes bien ça. On est d'accord. Ça, je te le donne. It's good. T'es heureux. Alors, tu fais pas la gueule après. Bon, bah. C'est pas grave. Tout va bien. J'ai juste fait une chute. Tout est peinard. Tout est peinard. Juste hop. Bon. Est-ce que t'as faim? Est-ce que c'est juste ça? Voilà, je te donne... Oh, t'es content. Magnifique.
Et tout va bien. Voilà, bon. Deux toilettes juste pour la fin. Bon. Je forme un couple. Maintenant. Ça, c'est quelqu'un. Ok, il faut aller chercher aussi. On va y aller, on va y aller. Tout va bien, j'ai pas mal. Tout va bien, je me suis cassé trois pattes, ça va. Pour un coup, limite. Voilà, ah, ça fait du bien. Voilà. Donc, dans quel arbre je sais pas, celui-là. Celui-là, j'aurais dit. Non, celui-là. Plutôt celui-là. Allez, tranquille. Alors, dis-moi que t'as juste faim, ça m'arrangerait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Bonjour. T'as faim, t'as soif, je... Une info? Bon, j'allais chercher à manger. Peut-être ça va te plaire, hein. C'est ce que tu veux. J'espère. Ou une noix de coco, là, pour te mettre bien. Que c'est ça que tu veux? Non. Bon, maintenant, dis-moi ce que tu veux. Fais-moi l'animation de... je vais pas bien. Horrible, je sais pas. C'est horrible à dire parce que je ne peux pas savoir. Bonjour, ta grosse tête de singe en premier plan. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, alors on va prendre une petite plante, hein, qu'est-ce que tu veux? On va ramasser une petite plante qui traîne. Ça. Je vais ramasser de ça, on va voir si c'est ce que tu veux. Oh, je t'ai perdu. Truc de con, dès que tu te rapproches, hop, le lock il disparaît. Tu fais, ah oui, mais non. Bon, je sais pas ce que tu veux, hein. On va espérer que ce soit ça. Sinon, je vais devoir tous les faire et ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur. De devoir tout faire. Ah là 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 là. Attends, tu chauffes pas trop encore. Bon. Is it that? What do you want? Is it that? Non. Est-ce que c'est ça, mais remachiné? Non. Un truc avec du miel. Le miel. Do you want miel? On va aller faire du... On va aller chercher du miel, hein. On va bien voir. Hein. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, si c'est ça, bah, ce sera bien. Je vais déjà ramener l'autre. Ça sera déjà ça de fait. Sans avoir d'infos, c'est un peu impossible à ça. Mais j'ai perdu l'autre. Mais viens me voir. Oh, t'es resté là-bas. Non, s'il te plaît. Tu peux monter. Tu peux monter, s'il te plaît. Merci. Très gentil. Limite, je vais prendre du miel et de ça. En passant. Appliquer. Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours ça en main. Pardon. J'en avais oublié. Voilà. Je prends un bout de ça. Pas si c'est ce qu'il voudra, mais en tout cas, c'est ce que j'ai.
Allez, on se rentre. On ramène. Limite, on fait un bébé tout de suite. Partenaire! Ça couplait! Faire un millier de bébés. Non? T'es pas fertile? Ah, peut-être pas fertile. À moins que c'est moi la femelle et que du coup je ne suis plus fertile. C'est peut-être juste ça le problème. Bon, on termine l'expédition, vas-y. Merci. Are you a mâle? Oui, c'est un mâle. En fait, c'est. Ok, non, mais faut que je prenne un mâle parce que le mâle, c'est mieux. Ça me permet plus facilement de cibler qui je prends. Alors, toi, t'es une sain. Toi, t'es mâle. Toi, t'es femelle, mais t'es pas bien. Toi, t'es femelle, mais t'es mâle. Attends, attends. Quoi? Je suis mâle? Parti où l'autre? Attends, 1, 2, 3. Bah non, 4, oui, non. Bon, c'est pas grave. Du coup, du miel, il me faut une feuille que je machine. Ah. Alors, je vais juste poser. Non? Ah, j'ai perdu le truc. Bon, c'est pas grave. Voilà, il me fallait ça. Il faut que j'aille tout là-haut. On va prendre du miel. Je l'ai jamais fait, je crois. Du coup, mais je vais peut-être le faire deux fois, histoire de dire. Non, t'as pas envie de le faire là? Changer de main. Oui, pardon. Oui, trempé. Voilà. Et maintenant, je peux manger. Inspecter, voilà. Je l'ai jamais fait, c'est cool. Voilà, nourriture. Nice. Humel. Voilà, et du coup, je peux le refaire pour reprendre pour l'autre. Voilà. Nice. Donc, on prend ça et on va aller prendre. Une feuille pour se soigner, on va dire, et on va essayer de voir si c'est ce qu'il faut. Je l'espère un petit peu. Je crois qu'il y avait un arbre juste en dessous, pas très loin. Non, je voulais pas tomber. Là, oui, en fait c'était bien ça, mais je l'ai raté. Je l'ai raté. Les potes et les glaives. Hop, on prend une. Maintenant, allons chercher. Non, ne mange pas ça. Allons chercher El Zigoto. Où il est? Rien d'autre. On profite un peu. On va scanner tout ce qu'on peut. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours monter les stats. Is good, is good. Pas grand-chose à analyser à part ça. Voilà. Bon. J'ai raté, c'est pas grave. Alors, l'arbre, c'est celui-là normalement. Bon, moi, je vais me faire attaquer, je vais être là. Ah, ok. J'avais pas prévu. Bon, est-ce que ce sera le miel ou les feuilles? Je sais pas. J'espère un des deux quand même. J'espère que c'est un des deux parce que sinon ça va pas le faire longtemps. Ça, c'est un non. Bon bah je le mange. Ça,
C'est un nom. Bon. Voilà, bon, j'ai bien mangé. Voilà. Je donne le bâton. Jette le bâton. Voilà. Ta mère. Bon. Y a-t-il un danger? Pas loin. Apparemment non. Bon, alors on peut aller remuer de la merde. C'est une méthode, hein. Ne faites pas attention, cette chute va. Tout va bien. Je. Hein? Ah, manette. Plus de batterie? Plus de batterie ou juste t'en as marre? Je sais pas. Ah non, plus de batterie. Alors, petite pause avant de se retrouver tué comme un con. Alors, piles usées. Hein? J'ai des piles usées. C'est vrai que j'ai beaucoup joué dernièrement à la manette. Donc c'est sûr que ça part beaucoup plus vite. Ça part beaucoup, beaucoup plus vite. Allez, retrouve la manette. Merci, c'est gentil. Allez, un petit bâton. On va essayer de trouver soit un escargot, soit un champignon. L'un des deux. Soit un escargot, soit un champignon. Alors, il me faut des rochers retournés. Voilà, il y en a un. Parfait. C'est quoi? Un caillou? Juste un caillou? Bon, on s'en fout. Du coup... Il me faut des rochers à retourner. Faut que j'aille dans des zones plus rocheuses. Et le premier qui veut m'attaquer, il se prend un bout de bois. Comme ça, hein, au calme. Ah! Dis donc... Mon petit con... Hé, mon cochon, j'ai pas encore mangé de viande. Tu vas être mon test. Manger de la viande. J'ai pas encore été carnivore. Enfin, je crois. Je souhaiterais tellement lui sauter à la figure. C'est tellement beau de pouvoir faire ça. En mode, je te saute dessus. Bon, malheureusement, c'est un non. Ce n'est pas grave. Allez, on prend un petit bâton. S'il revient, je le fais. S'il revient pas, je le fais pas. C'est pas grave. Hop. Voilà, on fait un bâton sobre. C'est juste pour l'idée. Je voudrais des rochers à retourner, s'il vous plaît. C'est chiant à chercher. Ou un escargot, limite. Ou limite, tu me dis s'il y a un escargot pas loin. Je peux le prendre. Non. Bon. C'est un nom. C'est un nom. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Mange. Fais-toi plaisir, bouffe un coup. Ah, voilà, un rocher. Non, non, prends pas un autre. Voilà. Ah. Alors je sais pas si tu veux des champignons bleus, mais on va essayer. Hein. Est-ce que je peux avoir un escargot, limite? Et pas non. Champignons. Pas encore un tas, pas loin? Si. Bon, attends, ça sent la couillasse.
Ah bah tiens, un escargot là-dessous, parfait. Parfait, parfait. Ah tiens, je me disais, forcément il y a un truc chiant pas loin. Je vais prendre un champignon et un machin, on va bien voir. C'est quoi ça? C'est quoi cette connerie? Un caillou? C'est joli. J'ai un beau caillou. C'est pas ce que je veux. Je sens que le serpent, il va bouffer du cochon dans pas longtemps. Où est l'escargot? Il doit y avoir un escargot? Quelque part? Non? Je me suis fait arnaquer? Ah, il est là. D'accord. Alors, on va lâcher ça, du coup. Il est où? Il est là-dessous? Non, il est là. Hop là. Voilà. Ce qu'il me fallait. Bon. Cherchons notre petit allié. Notre futur allié. Non. Non. Non, j'ai pas dit mange. J'ai dit mets-toi debout. Ah, je l'entends plus, je suis trop loin. On va se rapprocher. 15 km, ça aide pas. Dingue, je suis si loin. Apparemment, oui. Bah là, je devrais pas être loin quand même. Genre tout au-dessus de moi. Non? Ah. De là. C'est toi? J'ai l'impression que c'est lui, hein. J'ai pas l'impression que c'est le bon. Non, c'est pas le bon. Bon, après, eh, si ça passe, ça passe, hein. Ça m'arrange. Sinon, bah, je vais retourner à l'autre, hein. Elle est où? Il est où, un escargot? Oui, je l'ai toujours. Ouais, ouais bon, c'est pas le bon, mais c'est pas grave. Ça passera quand même. Si j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut, ça m'arrangera. Alors. Bonjour, que veux-tu? Oh, t'as juste peur? Fais chier, il a juste peur. Attends, je peux poser ça juste à côté sans que ça tombe trop bas? Genre, c'est juste là. Je peux poser ça là. Non, c'est tombé. Bon, c'est pas grave. Si c'est en bas, c'est pas grave. Voilà. Non, mais t'as peur. Je vais te soigner. Je vais te rassurer. Ça va aller. Ça va aller. Ayamia. Je suis là. Voilà. On te rassure. Voilà. N'aie pas peur. Regarde. Je me jette dans le vide. Tout va bien. Tout est bon. Dans le cochon. Alors, normalement, je devrais retrouver mes champignons. Là. Où ça? Il est où? Champignons. Ah. Champignons. Plus bas. Plus bas. Il est où? Champignon de mort. Ah, il est là. Parfait. Bon. Pas tout ça, mais... J'ai quelqu'un à aller chercher. Il
Sauf que je suis à 3 km. Oh, c'est quoi ça? Il faut cocher. Ouais. Mais il est où? J'ai toujours les deux, on est d'accord, oui. Oui. Il doit être par là. C'est dingue que je retrouve pas ce singe. Ah, attends, cru voir. Hein? Là, il y a mon clan. C'est pas toi quand même. Ça m'étonne. Attends, je vais mettre en haut des arbres, j'aurai peut-être plus de portée. Oui, on va. Là, il y a ma team. Je devrais voir l'autre. Non? C'est toi? Bon, bah, ok, hein. D'accord. Bon, bah, apparemment. Apparemment, c'était ça. Hein. Et puis personne d'autre. Je vais dormir, ça va être... c'est bizarre quand même. Je vais dormir. Voilà, c'est fin d'expédition. Nouveau ou nouvelle venue? Merde, c'est un mâle. J'ai 3 mâles pour 4 femelles. J'ai 4 mâles pour 2 femelles. Bien. C'est vachement bien dans l'idée. C'est cool. Bon. Bon, étant donné que j'ai 4 bébés et qu'il n'y en a aucun qui a une mutation, je crois. Allez, on fait dodo. Allez, on mange ça, parce que merde. Allez, dodo. Évolution, j'ai rien eu. Bah non, j'ai rien eu. J'ai rien eu, j'ai rien eu. Et du coup, si je fais ça, ça, ça. Et là, je peux changer de génération, d'accord. Ok. Je garde pas tout. Et si je fais. La fameuse technique du. Bah non, changer de génération, ce sera bien quand j'aurai machiné tous les bébés. Attends, attendez, excusez-moi, dodo. Allez tout le monde, bonne nuit. Non, t'as pas envie de dormir, le singe devant moi? Vraiment pas? Oui. Rien à foutre, hein. Des serpents, des crocos, des machins, de tout, tout est dangereux. Oui, tout est dangereux, surtout pour moi qui suis dangereux pour eux. J'en ai tué un de chaque. Moi, je suis comme ça, hein. Bon. Alors, le baby chimpanzee. J'ai un bébé où il n'y a rien. Ok. Mais un bébé inutile. Je veux te porter. Confirmé, oui, non, t'es très bien. Voilà. Toi, il y a un bébé qui est pas bien. Non, toi t'as rien non plus. Voilà, bon, faut que je prenne quelqu'un d'autre. Voilà, le mâle. Toi par contre, je veux que tu me suives. On va aller explorer, hein. Voilà, toi et moi, on va aller faire des choses. Avec les pitis. Merde, j'ai terminé l'expédition. Toi et moi, on va aller vivre une aventure. Une aventure où il y a de la fumée au bout. Donc faut qu'on trouve un endroit où il y a potentiellement. Alors je vais juste checker si. Putain, et là il y a l'autre. C'est pas grave. C'est pas grave. On va t'ignorer.
Ah non, je veux pas l'ignorer, parce que faut que je l'aie, cette personne. Il paraît que c'est l'autre, hein. Si c'est l'autre, je me tue, hein, parce que... Je me suis fait chier à t'attendre. Tu sais quoi, je vais prendre de la bouffe et de ça. Hop. Et hop, voilà. C'est ça que tu veux. On verra. J'ai l'impression que c'est la même personne. Bon, c'est tout aussi bien. C'est juste quelqu'un qui a peur. Bien. Bon, je peux te rassurer. Voilà, tu es nouveau membre du clan. Parfait. Il n'y en a pas d'autres. On sait jamais. Il y en a deux là. Non, ça c'est la base. C'est chez moi, oui, c'est chez moi. Non, il n'y en a pas d'autres. Bon. Alors, j'ai besoin d'aller très haut pour voir où est-ce que je vais. Qu'il faut que j'aille à un lieu où il y a une météorite qui est tombée. Bon, je vois de la fumée là-bas, c'est là qu'on va. On va passer par les hauteurs, plutôt faire. Allez hop. Comme on est plusieurs, je me méfie. Ah. Pas si je suis loin ou près. On va remonter un peu plus haut. Les autres, vous suivez ou comment que ça se passe? Alors j'en vois deux. Il y en a un là et un là. D'accord, il n'y en a pas d'autres. Nope. Oups. C'est rien. Tout va bien. Tout va bien, on va retourner en hauteur. On va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. J'espère que mon crew suit bien parce que là, ça va être mignon sinon. Alors, fais voir. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il est tombé. Je suis tombé, je suis tombé. Ce qui est chiant, c'est que je vois plus la fumée. Je sais pas si je suis loin ou si je suis près. Parce qu'il faut que je fasse des mutations chez mes petits pour être tranquille pour les prochaines générations, pour que ça aille plus vite, avec des meilleures capacités et tout. Un monstre en face de moi. Ça fait rien, j'ai pas mal. Remontons, remontons. Alors, où est la fumée? Pas de fumée sans feu. Enfin, il n'y a pas de fumée sans météore, plutôt. Bon, le météore, il serait par là-bas. On n'est pas raté un, on est d'accord. Pas l'impression. Pas de danger en vue. Truc au sol. Des cochons. Parfait. C'est pas un trop gros problème. Des cochons encore. Bon. Tant
Tant qu'on reste en hauteur, is good. Sont les hauteurs, c'est pour les singes, c'est pas pour le reste. Ce qui est ironique, c'est que les serpents, il y en a plein qui restent au sol. Genre, il y a plein d'espèces de serpents qui sont arboricoles. Enfin, j'ai l'impression. Je suis pas sûr, mais bon. J'aurais dit qu'il y a quand même une majorité de... Enfin, une bonne partie de... De serpents arboricoles. Autant on déplaise à plein de gens qui détestent les serpents. Alors... Il y a de la fumée là... De la fumée là, bon bah on va y aller. Hein. Oh si les autres y suivent, mais ils ont intérêt. Ils ont intérêt à suivre parce que moi, je traîne pas. Hein. Je traîne pas ici. Hein. Ça me donne rien. Oh là là, c'est loin. Je voyage. Hein. Voyager fait du bien à votre... Ouais non, j'ai pas l'impression. Vous voyez sur cet arbre là. Celui-là, il me dit pas mal. C'est juste con que ça ne me monte pas ma motricité de faire ça. Plus que ça, en tout cas. Ah, bon, bah, si je me fais attaquer ici, je suis dans la merde. Je suis au sol. Je suis au sol et je peux rien faire. Alors, je voulais monter sur un grand arbre. Celui-là, là-bas. Pour voir où ça se menait. Où ça m'y menait. On se rapproche. Ah, les deux sont côte-côte, hein. Ah, ça va être kiff-kiff, en fait, hein. Ça va être kiff-kiff, en vrai. Plus que ce que je pense. Ah. Niveau distance, en fait, ça... Ça va pas être si éloigné que ça. En fait, limite, même celui-là est plus près. Donc je vais y aller. On va voir ça, mais je crois que celui-là là-bas est mieux. Il est plus près. Yep. Du coup, j'ai été à des sites de machin et ça m'a rien donné. Je suis une quiche quand même. Hein. Bon, bah, on va là-bas. Je peux voir le lieu. Là, je veux ça. Voilà, merci. Seul pief. Seul pief. Youhou. Tout va bien. Tout va bien. Allez, le chemin que je suis obligé de me taper parce que je suis obligé de faire attention pour les bébés. Tout ça pour qu'ils soient plus mutés. Du coup, parce que j'aime bien, parce que ça a un message pas du tout évolutionniste, hein, leur truc. Hein. Oh, allez, faut que j'analyse plein de trucs, que je vainque ma peur et tout ça. Allez, un petit truc. Voilà, parfait. On va là-bas. On va affronter notre peur. Et tout va bien. J'espère que les autres suivent bien, parce que sinon je vais pleurer. Sinon ça va pas le faire. Voilà, triomphant de ma peur en passant. Voilà, parfait. Parfait, parfait.
J'espère qu'ils suivent les autres quand même. Enfin, je les attende pour voir s'ils sont bien à côté de moi quand je vais vouloir regarder le site de la météorite. On s'en rapproche. Oups, je voulais pas faire ça. C'est ma faute. Je me suis raté. Bon, on va analyser un peu de loin les dangers qui nous guettent avant d'y aller, parce que je sens que ça va pas être coton. Oui, vas-y, mange si tu veux. Ah, ils sont derrière moi. Il est derrière moi, lui. Hein. Croirais pas. Hein. Croirais pas. Bon. Niveau odeur, pas grand-chose. Et niveau sonore. Niveau sonore, ça a l'air d'aller. Eh bah, plouf. Hein, tu sais quoi? On y va, on va nager. Hein, tu veux pas venir. Hein. Pourquoi? Je sais pas, mais il veut pas venir. Oula, attends, il y a des trucs. Ah, il y a des crocs. Des crocs Odile. Il n'y a rien à faire cocher. Bon, ça pue un peu. Oui. Peur. Forcément, il y a peur ici. Il n'y a rien à scanner. Comment tu veux que je vainque ma peur ici? Il n'y a rien à voir. Je veux bien, hein, dans l'idée, hein, mais... Ça marchera pas, je l'ai déjà fait. C'est déjà scanné. Faut que je vainque ma peur très vite. Passe pas assez. Au de moi. Bon voilà. On va essayer hein. Ah, c'est de l'autre côté, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Du coup, où sont les autres là? Faut quand même que je passe à côté d'eux. La cochère et le croco, vous pouvez pas vous... Il y en a pas un qui peut bouffer l'autre, ça m'arrangerait. Dans un sens. Ça m'arrangerait un petit peu. Ah, je te vois le facochère. Hein. Je sens que c'est pas dit que je vais leur faire peur. Intimide. Alors j'ai fait peur au cochon, certes, mais le croco, moins. Oh là là. T'es avec moi, toi. Attends, reviens. Reviens dans mon crew. Attends, on va se mettre en l'air.
Je sens pas. Vaincons notre peur. Voilà. Bien, limite. Ça m'arrange. Ça m'attaque pas, ça m'arrange. Voilà. Allez. Faisant ça, ça va faire muter les bébés. Et on va se casser. Il fort. Voilà. Maintenant on se casse. On se casse parce qu'ici. Bon, bon. Oh là, il m'a vu. Non, 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 non. On se casse, les gars. Alors, lequel est blessé? Parce que faut que je chope celui-là qui est blessé. Faut que je me mette à sa place. Et ça va aller mieux. Où es-tu? Où es-tu? Où le dernier? Toi qui as eu Bobo? Oui. Voilà, tout va bien. Hop, là, ça va mieux. Voilà, ça va mieux. Bon, maison. Maison, maintenant. Ah non, c'est pas la maison, ça. Oh, la maison, elle est loin. La maison, elle est sa mère loin. Eh ben, c'est parti. Tout ça pour avoir des bébés en forme, hein. Mais bon, faut bien ça, hein. Si ça m'aide à avoir des évolutions chlorophides, ça me ferait plaisir. Parce qu'il faut des mutations dans plein de trucs. Il est chiant à voir quand même. Bon, on va courir au sol par contre, parce que je pense que ça va plus vite quand même. Faire gaffe, mais on va quand même aller au sol, hein. Mais je vais me faire une petite arme. Je vais me faire des armes de fortune. Faites pareil, les gars. Non? Bon, alors attendez. Je vous dis. Attendez, je laisse ça par terre. Voilà. Je prends. Merde. Prends un bâton. Prenez un bâton. Prenez un bâton chacun. Je change de main. Faites pareil. J'altère. Voilà. Mais il a lâché, ce con. Bon. Je lâche ça. Lâche ça. Bon, t'as un bâton, c'est suffisant. Allez. Autre job. On y va. T'as un bâton pour te défendre. Is déjà better que rien à voir. Rien en face. Très bien. Bien, 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 bien. Un truc. Quoi? Oh là! Oui, toi, par contre, on va t'esquiver, hein. Vraiment pas aller t'affronter, hein. On va éviter d'aller te voir.
Bien, les gars, vous vous êtes défendus, c'est bien. Bon plan, bon plan. Mais est-ce que je redonne pas un objet à l'un des deux? Toi, t'as un bâton. J'en reprenne un. Ok, les deux cochons, ils sont là. Allez, il faut qu'on remonte là-haut. C'est chiant, mais bon, faut bien le faire. Les étapes à la con. Faudrait que je retrouve des branches, ça peut être pas mal pour moi. Moi aussi, il me faut une arme, hein, au cas où je me fais attaquer, je me défends et paf, il se barre. Ou je le one shot, ce qui est possible. C'est vrai que j'ai pas besoin d'un bâton si bien avancé, j'ai juste besoin d'un bâton pour la forme. Hop, faites pareil. On change de main. J'en prends un autre. Personne n'en a besoin? Parfait. Il y a un truc à gauche. Est-ce qu'on peut lui faire peur? Serait beau de lui faire peur en vrai. Bon d'accord, il nous ignore. Tiens, bam. Ouf. Voilà, le machin noir peut pleurer sa vie. À la maison. Oui, ça picote, c'est rien. Les deux cochons, les deux cochons. Faut que j'en profite de faire peur à tout parce que ça m'arrange. Tant qu'on peut, on fait. Et ça, chier dans votre froc. Chier dans votre benne.
M'arrange. Bon, 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 bon. Cochon, c'est quoi ça? Cochon encore. J'ai tellement tout buté sur la route que du coup il y a des zones où il n'y a pas grand chose à part des trucs qui reviennent, que j'ai pas tout fait. C'est très drôle. Comme quoi, j'ai bien géré quand même. Hein? Quoi? Oh! L'enculé! L'enculé, hein. C'est qui Kabobo? C'est toi? Oui, c'est toi. Voilà, 2 secondes, je t'aide. Voilà, tout va bien. Le petit batteur. Oh, bonjour. Tac, tac. Tac, tac, voilà. Il n'y a pas un caillou qu'on mange un peu? Il doit faire. Une petite caillasse, on va manger du serpent. Pas perdu, comme ça. Mangeons le serpent. Parfait, alors j'ai vu des bâtons là-haut. Pour se défendre. Peut-être crever comme des cacas. Ça. Un truc, voilà. Je lâche, c'est pareil, voilà, donc tu reprends une branche. Voilà, vous avez de quoi vous défendre. Vous avez de quoi vous défendre. Machin. Cours, saloperie. Va te voir. Je peux utiliser mes belles armes pour toi. Et où le gros?
Oh, il est là-bas. Déjà que je fais peur à un gros serpent tout seul. Voilà. Dégage. Je veux pas te voir. Comme quoi, il y en a qui sont revenus, hein. Il y a des petites merdes qui sont revenues malgré tout, hein. On a beau dire. On a beau dire, elles sont revenues, ces petites merdes. Mais bon, c'est moins pire qu'avant. C'est moins pire qu'avant. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Et où tu vas? Tu vas pas là où je veux, hein? Tu m'emmerdes. Si on pouvait faire des attaques groupées, par contre, ce serait un bonheur. Pouvoir faire des attaques à plusieurs. Genre, et tu pourrais le maraver en 2 secondes. C'est trop beau. T'as pas envie de te barrer ailleurs? Voilà. Parti en bas. Oui. Bon, casse-toi maintenant. C'est loin, c'est beau, mais c'est loin. Qu'est-ce qu'il y a devant moi? Un petit serpent de merde, allez. Peur. Non, je dis casse-toi, pas viens-moi. Bon, bah, rien. Voilà. T'attaque pas les autres, hein. Bon. Non, mais. Charlbait. Quand même des petites merdes partout, hein. C'était mieux quand j'avais tout nettoyé et que je pouvais marcher tranquille partout quasiment. C'est trop bien. Allez, on a fini cette expédition. Elle était longue cette expédition. Mon dieu, qu'elle était longue. Une journée à marcher, hein, dans le jeu. Une journée entière dans le jeu. Trop long. Allez, bon, on espère que les bébés ont bien muté, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Allez. Je veux dire, j'ai perdu un bébé? Non. Non, 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 non. Allez, on se couche. Je me truc. Hop. Voilà. Lâche l'enfant. Mutation, voilà. Spontané. Remède préventif, tout à fait. Deuxième mutation. Non? Il n'y en a qu'un qui a une mutation? C'est pas normal. J'attends un peu. Motricité, pas mal. Ça, ça peut m'aider. Si il a une bonne amélioration de motricité. Bon. Parfait. Alors. Du coup. Maîtrise de l'appréhension. Les chances de lâcher un objet sur l'esquive sont réduites. Nice. Et du coup, je l'ai déjà. Ironiquement. Alors, du coup, j'ai gagné
Les chances de réussir à intimider une menace et à faire fuir sont améliorées. Ouais. Nice. Unité du groupe. Voilà. Ça, je l'avais débloqué de manière à moitié automatique. C'était bizarre. Du coup, j'ai eu ça. Selon là, ça va définir quand il aura atteint l'âge adulte. Yes. Attention au son. Les individus détectent automatiquement tous les individus de son. Nice. Bien ça aussi. Là j'ai eu ça. Qui est une motricité. Et j'ai eu un campement. Du coup il y en a un vraiment. Ah non il est là. Il est là. Le remède préventif. Ok. Pourquoi pas. Bon, du coup, je suis un mâle ou une femelle? Je sais pas. Je reprends un autre mâle. Voilà. Excusez-moi, hein, je sais plus. Il faut que j'analyse qui est fertile là-dedans. Il y a peut-être de la fertilité qui s'est faite. Bon. Attends, il y avait quelqu'un qui était fertile? Non? Attends, il y en a un qui est dehors. Qu'est-ce qu'il fout dehors? C'est qui? Il y en a un qui... Il y en a un qui est abandonné? Non, me dis pas ça. Me dis pas l'espèce de femelle qui était avec moi, elle est restée dehors. Comme une conne. Me dis pas ça. Me dis pas ça. Attends. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Ah, c'est toi. En fait, c'est moi. C'est moi, en fait. Bah non. Bah non. Il y en a un qui est barré dehors. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi es-tu aussi con? Pourquoi t'étais derrière moi tout à l'heure? On est d'accord? Il y en a un qui s'est paumé. J'en ai perdu un. Et c'était une femelle en plus, je crois. Quel bonheur. T'es passé où? T'es passé où, putain? Je sais pas où il est. Ça va pas, non, je sais pas. Il est pas dans le camp. Il est pas dans le camp, il est hors camp. Mais bon Dieu, que ça me saoule. Pourquoi? Pourquoi t'es chié? La tête barrée. Genre, j'avais une expédition entière avec deux machins. Il y en a un qui a décidé de dire non, je m'en vais. Comme ça. Genre, je rentre pas dans le camp. Selon quoi? Selon quel paramètre? Je suis pas d'accord, hein, tu devrais être dans le camp. Ça, c'est le serpent de tout à l'heure. Ça, c'est quoi? Ah bah, dis donc, qu'est-ce que tu fous là? Reviens! Putain! Eh, reviens, hein. On était bien tout à l'heure. T'es pas bien ou... Qu'est-ce qui se passe? T'as froid? Oui bah tout va bien alors. Et t'es fertile donc hein, tu vas me faire deux bébés, ce sera bien. Et après je pense qu'on va faire un saut générationnel. Ce sera cool. On t'arrive, hein, j'espère, hein, parce que franchement, là, ça va être chiant sinon. En plus, c'est une femelle, quoi. Genre, c'est bon, j'ai assez de mâles. Les mâles, il y en a trop.
Voilà, tu es dans le camp, parfait. Bon, parfait. Maintenant, câlin. Voilà, maintenant, bébé. Viens là! C'est l'heure de copuler, c'est l'heure d'augmenter la population. Je suis peut-être une femelle aussi, peut-être, je sais pas. Ça peut ne pas aider. Ça peut ne pas aider que je sois une femelle. Non, je voulais pas un bébé sur le dos. Pardon. Voilà, pardon, pardon, j'ai oublié. On lâche bébé, on appelle, c'est l'heure de copulationner. On y arrive un jour. Voilà, nouvelle gestation, parfait. Bon, normalement, j'en ai pas d'autres. Normalement, j'en ai pas d'autres. Donc, on va en faire un cinquième. Ce serait bien qu'il ait une mutation, mais bon. S'il y en a pas, il y en a pas, hein. Nouveau bébé. Malheureusement, il n'y en a pas. Bon. Est-ce que t'es encore chaud? Chérie, t'es comment là? T'es chaud ou t'es pas chaud? T'es chaud. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre est chaud? Toi, non, mais t'es un mâle. Des feux. Femelle sans partenaire. Excuse-moi, je voudrais te scanner. Non, malheureusement non. Oh. Un deuxième. Allez, donne naissance. Et pas d'anomalie. Oh, pas drôle. Pas drôle, pas drôle. Comment je fais, moi? Bon. On va essayer de faire une nouvelle génération. Alors, pour ça, on va cheater sur les machins de les neurones. On va essayer, on va essayer, on va bien voir. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Allonger. Évolution. Voilà, et là j'ai 10 points. Bon. Hop. Espérer vraiment que ça marche parce que sinon. Et on change de génération. Le truc que j'ai jamais fait. Oui, tous les bébés en gestation sont perdus. Oui, je sais. Jamais vu la vidéo, je crois. Du coup, les bébés deviennent adultes et tout ça, tout ça, tout ça. Du coup, ceux qui ont les mutations, je vais acquérir les mutations et ça va être cool. Je pourrais peut-être débloquer des prochaines. Et du coup, les parents sont devenus vieux et il y en a qui sont morts. Du coup. Théoriquement. Clan, membre du clan mort. Oui, bah oui. Inspecter une pierre précieuse, oui. Bah, on a une au camp, non? On n'en a pas une. On n'a pas laissé une ici? Phase de maturité 1. Nice. Mutation génétique révélée, voilà. Je laisse passer toutes les infos. Voilà. Ah là, après ça, on va refaire des bébés en série, hein.
Il faudra que je prenne ceux qui ont les mutations. Histoire de peut-être les sauvegarder direct. Je crois qu'il y a un phénomène comme ça. Ou si tu fais ça coupe les ceux qui ont les mutations, du coup ceux qui l'ont suivante le gardent. Voilà, toi, t'as campement. C'est un mal. Pas en place. Il faudrait que je trouve une femelle qui a un truc. Voilà, femelle et elle est fertile. Bon plan. Raté, pardon. Ah non, on est de la même famille. Merde. Chier, je peux pas. Une autre. Qu'on n'est pas de la même famille. Toi. Toi, on n'est pas de la même famille, forcément. Voilà, parfait. Parfait. Faisons une petite gestation. Là, on farm, hein. Alors, normalement, du coup, celui-là qui doit être l'autre bébé. Lui-là. Non, je veux. Là, toi, voilà. Toi, non, t'es celui-là qui va pouvoir se faire l'autre. Logiquement. Voilà. Nice. Normalement, là, on va pouvoir favoriser la génétique. Et garder tout ça. Limite, on fait accoucher tout de suite. Ah non, attends, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont... Pas des vieilles qui sont un peu... Un peu fertiles, encore. Bon. Ou des pas encore trop vieilles. Non, bon. Pas grave. Allez, on fait les bébés. Voilà. On en a eu deux nouveaux. Et un avec une mutation. Yes! Bon plan ça. Bon, on fait voir les évolutions. Oh, j'ai pas tout gardé, la haine. Ah si, j'ai tout gardé. Ça va. Du coup, faut que je renlève le truc parce que sinon ça va peut-être bugger après. Voilà. Voilà, on reprend tout. C'est chiant de faire ça, clairement. Mais du coup, ceux-là, spontané prendra effet. Mais elle devrait avoir pris effet, du coup, il est adulte. Non ? Il n'est pas adulte ? Je comprends pas. C'est chiant, c'est chiant. Non, non, pas celle-là.
Je peux pas mettre l'autre. C'est chiant de retrouver l'ordre. Après, est-ce que en fait, quand je fais les générations, c'est juste bonjour, t'as pas besoin de les racheter, mais en fait, tout ce que t'as découvert, tu l'as découvert en gros. Tout ce que t'as, tu l'as. Invitam, et en fait, je me fais chier avec essayer de faire un truc qui marche pas. Après, de toute façon, je pense qu'il y a un moment, je vais faire un truc où, genre. Je dirais que non, parce que. Pas sûr, sûr, quoi. Et si je peux pas acheter le dernier de la ligne et que ça achète tous les précédents, parce que ce serait tellement mieux. Et là, ça prend 3 ans. En 3 ans, et c'est très long. Allez. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, c'est pas chiant. Ah, ça toujours pas? Non, pas ça toujours pas. Ok. Bon, par contre, je comprends pas le fait que ça devrait être bon. La prochaine évolution de la lignée. Ah. Donc, c'est à la prochaine évolution. J'en aurai plein. Bien. Ah, du coup, ce que je fais doit pas garder. Je vais espérer pas tout péter. On va voir. Hein. Je vais espérer vraiment pas tout casser. Ça... Ah! Ah! Ah, merde! Attends, 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 attends. Annule. Annule. Ça. Tant que ça sauvegarde pas, annule. Ah. J'ai tout pété. Je suis abusé là. Ça devrait pas être comme ça. J'ai tout débloqué. C'est pas bon. Tout pété. C'est pas bon. Vous voulez pas faire ça? Attends, avant que ça sauvegarde, hop, on va faire un. Hop là, bon, c'est pas très classe, mais bon. Il faut que j'apprenne à utiliser le machin. Globalement. Faut que j'apprenne à utiliser le cheat. Parce que là, le cheat. J'ai quand même envie de découvrir les choses. C'est un aspect sympa. Les garder, par contre, ça m'intéresserait pour aller plus vite. Juste pour ça. Juste les garder et aller plus vite. Genre, je m'en fiche de devoir les reprendre après, c'est juste je les garde. J'espère que ça va pas sauvegarder. Sinon, je fais une évolution, une génération, et peut-être ça va moins. Ça... ça va. Ok. Ok, on en est là. Ok, on en est là. Bon. Du coup, la théorie, c'est que. Putain. Ah oui, alors j'ai plus le cheat. Alors, excuse-moi. Je keep, mais.
Alors, je disable tout. Je vais juste faire ça et on va voir si c'est pas mal. Ah! Non, c'est pas ce que je veux faire. Bon. Il y en a un qui me fait chier là-dedans. Get branch. Je sais pas. C'est chiant parce que c'est pas très expliqué à moins que je peux trouver. Est-ce que je peux trouver un truc un peu. Un truc qui expliquerait la machine. Apparemment non. Non. Je ne saurais pas. Bon, on va tester jusqu'à ce que ça marche. Hein. Il n'y a que ça à faire, malheureusement. Il n'y a que ça à faire, c'est tester jusqu'à ce qu'on voit que, ah bah tiens, dans ça, c'est pas ça. Que si je peux avoir juste la conservation des trucs que je n'ai pas, ça m'arrangerait. Les trucs que j'ai débloqués, genre toutes les capacités en mode, hop, voilà. Moi, je fais juste des sauts générationnels pour faire des mutations. Ok, voilà. On recommence. Je dis oui, je dis oui. Ça, ça fait quoi? Je sais pas. Voilà. Pour l'instant, ça, ça me pète pas mon truc. It's good. It's good, it's good. Je vais juste faire ça pour la forme. Non, ça marche pas. Ok, ça marche pas. Bien. Alors je fais un peu de branche, je fais voir. Non, d'accord. Donc ça, ça me donne rien. Là, il faudrait que je puisse avoir les 4. Bon, pour l'instant, ça me donne rien. Ça. Ah, ça, ça donne tout. Et c'est ce que je veux pas. C'est ce que je veux pas. Donc du coup, celui-là, nope. Celui-là, c'est un non. D'accord, donc peut-être ça va m'aider. Oh, je vais pisser un coup, je reviens.
Bon, voyons voir. Voyons voir où est-ce qu'on peut tricher. C'est ça que je voulais faire. Ah. Donc, je vais prendre 400 trucs. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Faut que je réactive le truc pour que ça aille vite. Pour que ça aille vite. Parce que c'est pas que c'est lent, mais c'est un peu long. Voilà. Max neuron, machin, machin. Donc on a dit celui-là, c'est de la merde. Celui-là, du coup. Ok. Ça, c'est pas mal. C'est pas ça que je voulais faire. Alors, on reprend tout ce qu'on a trouvé. J'en prends plusieurs. Non, non, voilà, là j'en ai que deux. Je vais en mettre que deux. Voilà, donc là c'est non. Donc ça, ça fait rien. Get branch feeling. Pour l'instant, ça a l'air bien. Ah. Ah, ça m'a tout acheté d'un coup, tout ce que j'avais. Oh, c'est trop bien. Oh, je veux. Oh oui, s'il vous plaît. Ah, oh, tous ceux que je connais, je peux les avoir. Attends, non, il y a aussi tous ceux que je connais pas. Ça m'a donné tous. Oui, tous. Même ceux que je connaissais pas. Ah, c'est ça. Donc non. 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 Non, je veux pas ça. Je veux pas ça. J'espère que ça l'a pas sauvegardé, parce que sinon... Ça me fait chier, parce que j'aurais avancé dans des trucs que j'aurais pas su. Que ça m'a emmerdé. Mais je veux quand même avoir un certain gameplay, même en trichant. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Je veux pouvoir débloquer les choses. J'aime bien la satisfaction de débloquer des choses dans la vie. C'est agréable d'avancer dans un gameplay. Alors, fais voir. Putain, me dis pas que... Voilà, tout va bien. Donc, malheureusement, get branch feeling, c'est pas ce que je veux. C'était presque ce que je veux, parce que ça avait un aspect très sympa. Du coup... Donc le reste, je sais vraiment pas ce que c'est. Get selected as machin legacy. Ouais, mais c'est sélectionné, mais ça ne reste pas, quoi. C'est... Ça, le problème, c'est que c'est genre, oui, c'est sélectionné, c'est cool, mais ça me donne rien. Bon, attends, la vitesse, j'ai oublié de remettre la vitesse. Non. C'est vraiment chier quand même. Voilà. Nice. Que là, oui. Mais ça marche pas en vrai. Je sais pas si ça marche. Je dirais que non. Mettons d'autres choses et on va voir. Ouais, non, ça fait juste un truc en mode, je pense que ça ressemble à, bonjour, tu l'as sélectionné, mais en fait, ça l'a pas sélectionné. Fais voir le max reinforcement. Yes. Ok, ça, c'est ce que je voulais, je pense. Ça, that's what I wish. That's what I wished.
Et là, je pense que je vais pouvoir vraiment garder tout. On va bien voir, on va tester de toute façon. Là, je pense pas que je peux faire plus de bébés, plus de machins. Donc, on va faire un saut générationnel. Et on va voir ça. Ah oui. C'est long. C'est long que c'est long. Hein. Mais bon, après, j'aurai la satisfaction de me dire, tiens, là, t'as évolué dans ça. C'est cool. Et après, au bout d'un moment, je pourrais commencer à chercher à développer tout ce que j'ai pas eu. Et du coup, là, ce sera sympa. Et à un moment, là, je vais avoir bien développé les trucs, hein, je pense. S'il n'y avait pas toutes les boîtes de dialogue, j'irais tellement plus vite. Mais je décide pas. Je ne décide pas, je ne décide pas. Alors là, c'est un nom. Là, c'est un nom. Allez. C'est long. C'est très long, c'est très long, c'est très long, 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 c'est très long, long, c'est très long, long, c'est très, très. Bon, du coup, il me faut juste le max renforcement. C'est juste le truc que je veux, moi. C'est-à-dire que voilà, c'est au-delà de ça, voilà. Je dois quand même développer les capacités, je les aurai pas gratuitement. Enfin, si, je les débloque gratuitement, on va dire, mais faut quand même que je les texte pour pouvoir débloquer la suivante et pour pouvoir débloquer le nœud, quoi, pour pouvoir l'acheter. Donc ça va, c'est pas le pire, ça triche, ça va plus vite que je gagne du temps sur le pex. En gros, pexer avec les petits, ça m'évite de le faire. Voilà, et du coup, on va tout prendre. Hop, 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 on fait toutes les pointes, ça va plus vite comme ça. Ça va plus vite comme ça quand même. Là, j'ai plus rien. Bon. Est-ce que si je fais ça, ça garde ou pas? Non, ça garde pas. C'est pas grave. On va regarder ce qu'on peut faire. Le potentiel est de créer une nouvelle source de nourriture. Alors là, faut que je cherche laquelle c'est. Ah, celui-là, c'est une mutation. En gros, faut que je trouve toutes les sources de nourriture, mais. Là, il faut une mutation. Là, il faut une mutation. Consommation répétée requise de champignons. D'accord. Faut que j'aille bouffer des champignons. Il faut que je bouffe des. En gros, faut que je bouffe. Faut que je bouffe comme un porc. La capacité d'intimidation en groupe, donc faudrait que je fasse un groupe et que j'intimide tout le monde. Spécialisé pour plusieurs types d'adversaires, si j'ai verrouillé plusieurs fois, ouais. Bon. En gros, faudrait que je sois en groupe, que je bouffe comme un cochon. Globalement. On va dire pour gagner du temps. Allez, on saisit ça. Alors, on va prendre tous les adultes. Toi.
Suis-moi. Suis-moi. Voilà. On va laisser les petits en gros à la maison. Bon, tout le monde venait. Mais les petits, vous allez rester là. Que je vire les petits. Ou les bébés. Je veux pas de bébés. Ou alors je les porte avec moi. À faire. Ouais, quitte à faire. C'est pas grave. Bon, il faut que je bouffe 1 millier de trucs. Ah oui, c'est vrai, merde, je suis pas en mode. Je suis pas en mode vénère. Je suis pas en mode vénère, oui. Sinon, il va pas être bien. Ils vont pas être bien, les gamins. Voilà. Consommons, consommons. Bouffons autant qu'on peut. Sais pas s'il faut pas que je fasse mon neurone avant. Je vais regarder parce que là, je me dis. Tiens, bam. Voilà, il est possible d'être immunisé aux blessures plus longtemps. Nice. Et il faut que je le freine plusieurs fois. Ok. It's good. Allez, on mange, on mange, on mange. Tout le monde mange aussi, comme ça. Ils sont. On va tout dilapider! On a faim! Ah, faut que je lâche mon bâton. J'avais fait un tas de bâtons, apparemment. Je sais pas si boire de l'eau c'est important, mais en tout cas j'en bois. Buvez, buvez! Buvez tous! Ah, c'est beau. C'est beau, une équipe qui boit. Je vais reprendre mon bâton parce que je me dis pour sauver des rochers, manger de la merde, ça va m'aider. Ah oui, il faut que j'examine une pierre précieuse. Et j'en avais pas loin. Une pierre précieuse, là. Je vais y aller tout à l'heure parce que je me dis. De toute façon, il y en a un sous un caillou là, tout bêtement. Tout bêtement, je vais en trouver un sous le caillou. Tiens, bam. Allez, mange-moi ça. Voilà, neurone matière. Mange plus de champignons. Hop. Ok. Lutter contre le poisonnement et l'interrupture plus longtemps. Est-ce que je peux. Mutation génétique. Ah. Oh.
Alors, deuxième caillou. Il y a des cailloux. Bon, malheureusement, c'est pas ce qu'on veut. Et il y a des cailloux. Oh. Mangeons comme un cochon, hein. Ça se trouve, ça va m'aider. Il n'y aura plus rien dans 2 minutes. On va tous avoir tout bouffé. Ah, il me copie pas cette fois. Ah si, un petit peu. Ah si, un petit peu quand même. Bah. Ils sont restés au camp. Bah. Ah, j'ai un mort. Attends. Ah non, ils sont là. Oui, pardon, il y a un décédé, c'est vrai. J'oubliais de checker les décédés. C'est pas très cool, mais c'est comme ça. Oui, j'oublie. Wook. Au revoir, Wook. Tu étais un membre éminent. Allez, on roule des mécaniques. Je crois que je vais plutôt prendre un caillou. Le caillou, il va me permettre de me défendre, mais aussi de taper des noix de coco ou des fruits ou des trucs. Si jamais j'ai besoin. Bon. Maintenant, c'est l'heure de consommer. Nous allons jouer à Bonjour, j'adore mes consommables. Faut que je prenne genre une de ces machines, que je me frotte avec, faut que je mange les fruits en l'air, faut que je bouffe un animal, littéralement. Alors ça c'est bon. Ok, it's good. Bon. Alors, attends. Dans un arbre, il faut que j'aille chercher un truc dans un arbre. Tiens, on va chercher le fruit là-bas. Le fruit est là. Ah, ah, je tombais. Y'a rien, je suis tombé les gars. Faites pas attention. Bien débile. Je suis tombé alors que je voulais pas. C'est pas grave. Bon, j'ai bien trouvé un fruit, une noix dans pas longtemps. Bon, c'est au bout des trucs. Souvent c'est au bout des branches. Tiens, là une noix. Tiens, appliqué. Non, c'est pas assez dur. Bah non, t'as lâché le caillou, petit con. Un fruit. Où est-ce qu'il y a des fruits là-dedans? J'ai besoin d'un fruit. Où je mange des fruits. Fruits et légumes par jour.
café essaye de m'attaquer, qu'ils viennent. Voilà, là-bas, il y a des fruits. Bon, pas de piaf en vue, pas de piaf qui essaye de me bouffer le cul. Bon, on va redescendre. Hein. On va aller au niveau du sol. On va essayer de croiser des animaux et à intimider. Ah là-bas, il y a un truc. Facochère. Avec lui. Il n'y a que lui. Hein, mon cochon ? Bon, je vais lâcher ça, ça me sert à rien. On va manger un peu de ça parce que je sais pas si ça me soigne plus ou non. Bon, alors, I need une branch. Et on va manger du cochon. Quitte à faire. Quitte à faire, on va essayer de manger du cochon. Un petit caillou. Est-ce qu'il y a des branches là? Attends, on va faire un truc. Faire un truc très bien. Je vais équiper tout le monde. Donc tout le monde prend un bâton. Bon, c'est pas grave. Allez. Et où ce cochon? Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. You.
Oshono. T'es bloqué dans un coin, hein. Putain, mais il meurt pas, hein. Résistant, hein, cochon. Résistant, le petit, hein. De la viande. Et avant que tu te fasses bouffer par autre chose. Bon, après, quand tu te fais bouffer, en soi, je peux quand même ramasser le truc. Ah, plus de bâton. Ah merde, attends, c'est qui est à côté? Le petit serpent. Je lui en ai enfoncé combien là à un moment? Il est où ce petit serpent? Il est là. Ouais, mais ce cochon à la fin, faut que je le finisse. J'ai plus de matos. Alors je fasse une lance de bâtard. Oh. Je sais plus, hein. Petit con, il meurt pas. Bout de bois ici, super. Et du bout de bois. Où est-ce qu'il y a du bout de bois? Il n'y en a pas beaucoup. Ah, là il y a une branche.
Bon là le cochon, si avec ça je le tue pas, franchement... Voilà. Non 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 non, garde ton caillou. Keep your rock. Keep ton rock. Keep la caillasse. Bon, prends celle-là à la limite, c'est pas grave. Bah. Où est-ce qu'ils sont? Ce petit serpent de merde. On va garder le caillou, c'est très bien. Ah, je te fais peur, mais je te saute dessus quand même. Voilà. Parfait. Oh le cochon. Oh là, eh oh. Eh mon cochon. Attends, c'est lequel le mien? Là ou c'est l'autre? Il y en a un des deux qui a plein de lances et l'autre pas du tout. Je suppose. Non, toi t'es en forme. Je veux ton confrère. Lui. Lui va se prendre une lance dans les fesses. Putain, mais je le finis pas. C'est incroyable quand même. Incroyable comment il meurt pas. Hein. Putain, c'est dingue. Hein. Ils sont increvables. Hein. Increvables. Bon. Où est mon manger là de tout à l'heure? J'avais. Ah là, il est là. C'est pas que j'avais un serpent à bouffer, mais j'ai un serpent à bouffer. Ah, du coup, j'ai plus mon caillou. Oh. Bon, découpons ce serpent. On va se faire un petit steak. Mais faut que je me fasse un steak de facochère, hein, parce que... Pourquoi vous faites dodo? C'est pas l'heure de dormir. Mais non, ça va. Tranquille. Bon, ce cochon. Il est par là. Oh, donne-moi ton truc, toi. Parce que là, tu... Je prends l'objet. Désolé, hein. C'est pas que je t'aime pas, hein. C'est juste que tu me saoules, là. Ça me saoule de chercher les branches. Oh non, là, arrête de lâcher ton caillou. Tu m'énerves. Tiens, on va manger quelques plantes bon pour la santé. Ça peut me donner un peu plus de trucs. Bon, facochère. Une vengeance à exécuter sur ton cul. Parce que là, il veut pas crever, hein.
Il y a des bâtons ici, ça sera cool. Faudrait que je le tue là, parce que j'ai plein de machins à faire. Non, vraiment, il tient. Il tient, ce con. Il a un millier de machins dans la tête. C'est dingue comment il tient. C'est dingue. Bon, attends, faut que je le lock parce que sinon... Sinon, je vais le perdre. Need food. Oh là, attends, il y a un truc qui me regarde. Qui me regardait? Je sais pas. Parce qu'il y a un truc qui m'en voulait. C'est long. Putain, si on pouvait faire en sorte que ça aille plus vite, et pas non. Allez, mon cochon. Ah, c'est ça qui m'a vu. Oh, t'es quasiment dead, là. S'il te plaît, te fais pas tuer. Oui, un gros, il y avait un gros serpent. Ah tiens, on a eu une pierre précieuse, tiens. Le gars. Voilà, lancer une évolution. On fera ça plus tard. Bah alors. Cherche à m'attaquer, hein. Le petit con. Où est mon cochon? Yes. Ça doit être lui. Ça doit être lui. Il est aux portes de la mort. Littéralement. Genre, il peut pas être plus près de mourir que ça. Ouais. C'est marrant quand même, comment il y en a, ils survivent super longtemps, et d'autres pas du tout. D'autres, je les one-shot. Voilà. J'espère que c'est lui. On va bien voir. Oui, c'est lui. Vu tout ce qu'il a dans le buffet, le pépère. Putain, mais je fais des lances acérées et tout, hein. Pour l'éclater. Fait rien, hein, quand même, hein. C'est dingue, hein. Dingue comment il est résistant. Je le fais de temps en temps. Bon, toi, donne-moi ton objet, là, parce que ça me saoule. Toi, donne-moi ta branche, voilà. Désolé, hein, je vous pique vos... Je vous pique vos trucs. Mais c'est juste que ça me saoule d'aller en chercher. Bon, je le refais pas plus, hein. Oh si. Non, ça m'énerve. C'est incroyable, hein. Il meurt pas, hein.
Genre il crève pas. Je comprends pas comment. T'es aux portes de la mort hein, depuis tout à l'heure. Hein. Oh, enfin! Ah, j'en avais jamais tué? Ah ouais, peut-être. J'en avais peut-être jamais tué en fait. Depuis le début. Putain, mais ce machin, c'est résistant. J'en ai mangé, mais j'en ai pas tué en fait, oui. Mangeons ça. Maintenant. On va manger plein de viande. Plein de viande. Voilà, neurones, on s'en fout, omnivore. On continuerait à tout manger. Tant qu'il y a des morceaux, je les mange. Hein. Les gars, vous voulez pas manger, vraiment? Bon, attends, en vrai, ça sert à rien. Allez. Bon. I need a stick. Can I take your stick? Bon, cherchons une nouvelle cible. C'est quoi ce truc en bas? Non, c'est... Oui, si, je sais. Bête. Là, il y a des rochers à soulever. Ça, c'est bien. Ça c'est cool. Des champipis. Pour faire mon immunité aux champignons. Voilà, parfait. Vendu. Mangera de tout ici. Ici, on est omnivore. Donc mon caillou, ah non, mon caillou n'a pas roulé jusqu'en bas, ça va. M'allonger deux minutes histoire de mettre mes points. Non,
D'accord, ok, ça ne m'aide pas. Faut que je sois quand même dans un lit pour apprendre des choses. Oh, c'est quoi ça? Un gros serpent. J'aimerais bien autre chose, genre un escargot. Bon, use serpent. Que je me le fasse. Oh. Ah, c'est un phacochère. Où est le serpent? Voilà, je t'ai intimidé, mais... Je nique la tête. Quand même. Voilà, neurone mature, yes. Une petite branche, histoire que je puisse me défendre. Qu'est-ce que t'es parti faire, toi? Elle, copain, le serpent. Il est parti loin ou pas? Je vais me le faire. Je vais me le faire si fort. On va manger du serpent de soir. Boost mon attaque en groupe, ce qui est une bonne chose, moi je dis. Ah, il y en a un qui est blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça? Qui c'est qui va mal? Qui c'est qui a bobo? Oh, ça va en fait. Ouf. Peut-être un qui s'est fait bouler par un truc. Tant qu'il est pas tout le temps dans le rouge, c'est que ça va. Une branche dessus. Et si je te mets un coup de caillou dans la gueule? Quelqu'un a pas une branche à me passer? Désolé, je te prends ça. Vraiment, la maîtrise à une main me dit c'est bizarre que j'arrive plus à la monter. Ce soir, les gars, nous mangeons du serpent. We eat snake. We're gonna eat some snake. Oh, il va se bouffer le phacochère. Tiens. Bam. Plus de phacochère. De la viande gratuite. Merde, j'avais pas la bonne arme. Quel con. Merde, j'ai perdu mes machins. J'ai raté. Pardon. Excuse-moi. Ouais, mon bâton. Tu peux me donner le tien? S'il te plaît. Non, ça... Bête. Tu peux me donner le tien? Merci. Très gentil. Oui, c'est parce que j'avais pas la bonne arme dans la main.
Et les gars, non, m'aider, ça fout chier quand même. Genre, je suis là, j'ai une armée avec moi, mais... Oh non, on va pas se battre. Ok. Why? Why are you not fighting with me? Je dis ça, je dis rien, hein, mais why? C'est sympa quand même, hein. D'accord. Quelqu'un me passe son arme. Lâche. Allez, dégage. Il n'y a pas des œufs là-dedans? Tiens, hé, le serpent. Clonk, bonsoir. Oh, bah dis donc, t'es tardif aujourd'hui. T'es tardif, dis donc. Ça va? Petite insomnie? Du coup, je t'aide. Je vais t'aider à te reposer. Mon caillou. La pierre précieuse. Où est ce serpent de ses morts? Où est-ce qu'il est ce snake? Snake! Il est en dessous. Ah bah attends, oula, attends. C'est qui ça? Ça c'est le serpent et ça... C'est le facochère, je me fais le serpent. T'avais pas vu un truc? D'accord, non mais... Bah après tu pourrais t'occuper, c'est ça que je veux dire. C'est que je dis pas que tu... T'as pas voulu venir. Oh, il y a un croco. Alors, il y a un serpent, un facochère, un croco, ça va être magique. Le facochère... Non? Vraiment? Tu bouffes... Voilà, je vais dire. Je vais dire, c'est pas normal. Bon, qui a mal? Qui c'est? Qui se fait buter, là? C'est qui, Kabobo? Eh, toi! Yo! Bon, j'arrive pas à les buter. C'est dingue que j'arrive plus à buter une créature. Genre ça fait faire trois fois quand même hein, que je me fais certains trucs et que ça bouge pas. Hein. Oh tiens, omnivore, allez, vas-y. Je ne sors à rien, mais ça me fait plaisir. Hop là. Je crois que j'ai vu un croco. Il était où? Où est-ce qu'il était? Il y avait un crocodile. Ah. Il s'est barré. Alors, c'est juste pour lui faire peur. Ils veulent pas mourir. Non, non, mais... Genre, il y a des moments... Il y en a, je les ai butés, mais si fort et si vite que c'était impressionnant. Et des fois, là, ça fait des plombs que je combats. Certains. En mode... non. El croco. Et peur. J'ai une armée avec moi. Oh bah, hop. Oh le pauvre petit serpent, il a rien demandé. Ah bah, bon bah. Ah bah, il s'est fait boulotter direct. Pauvre petit serpent, il a rien demandé, il s'est fait bouffer. Bon, j'ai un gros serpent à finir de becter, quand même. En vrai. Hein, c'est pas tout ça. Mais ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, je suis obligé de prendre un morceau de bois, me faire une lance. La méthode est un peu longue. C'est-à-dire que voilà, et j'ai une armée avec moi qui ne sert à rien. Ça me donne rien de faire une roche météorite face à un machin. Non. Je peux pas inspecter le caillou et que ça me redonne des mutations sur les petits. Oui, parce qu'il y a un principe de... si tu fais des... si tu vas dans un truc... Je sais pas parler.
Alors. Ah. C'est lui. Bon. Alors, il me faut des branches maintenant. Sauf que niveau branche, il t'engorge, c'est pour ça. Vas-y, chef! Ok. Après, est-ce que c'est pas parce que j'ai les deux petits sur moi et que ça fait chier? Je vais prendre un autre gars avec moi. Peut-être ça, il sera mieux. Je vais peut-être prendre un vieux mâle, qui a peut-être plus de force du coup. On va voir, attends. Pas un vieux mâle là-dedans? Vieille femelle, non. Un ancien mais mâle. Voilà. En plus, c'est celui-là qu'il faut que je soigne. Ok. Hop. L'autre, toi, tu gardes les bébés. Voilà. Tu gardes les bébés. Moi, je garde lui. Et, ah oui, non, par contre, t'as mon caillou. Rends mon caillou. Voilà. Le caillou, c'est important. Peut-être qu'il a plus de force avec l'âge. On me dit, baby. Bon, là, vu que j'ai rien, je vais lui faire peur. Qui court? Eh, dégage! Dégage. Voilà. Merci. Il me faut des branches. Là. Voilà, une branche. On la taille. Enfin, on enlève les petites. Voilà. Après, on prend le petit caillou. On taille ça en pointe. En espérant que ça serve à quelque chose. Je crois que je vais même carrément faire deux bâtons. Qu'il va faire. En fabriquer deux vénères et le serpent, je vais lui niquer sa race. Putain, et des fois, je te jure, hein, je fais deux contre-attaques. En gros, deux attaques, hein, c'est contre-attaque ou attaque, c'est pareil. Et je le tue. Et là, ça va faire 3 heures que je suis sur le même. Non. Jette pas ça, pause. Hop, on pète les branches. C'est trop long, quoi. Tiens, attends, je crois que j'ai. Alors, je cheat, hein, je le dis. Hein. Alors, j'ai un truc qui est altérer l'item au premier try. Ouais, voilà. Oh. Oh, je vais gagner du temps. Ah, c'est. Clairement, je triche, mais c'est juste pour aller plus vite. Hein. Ça va être juste pour ça. C'est vraiment parce que, genre, faire les bâtons, c'est 3 heures de faire un bâton. Et tu fais ça, et tu fais ça, et c'est super long. Bon, ce serpent, ça fait 3-4 barres que je lui mets dans la tête. Voilà. Mon Dieu. Enfin. Voilà. Merci. Bon, on va rechercher le caillou et on va se manger un bon steak. Pas un steak. On va manger du serpent. Mon caillou, c'est quand même une pierre précieuse et c'est pas commun d'avoir ça. Et ça permet de trancher les bestioles. Ah, si je pouvais marcher plus vite, j'adorerais. J'adorerais, j'adorerais. Bon. Où est-ce qu'il était? Là en bas, je crois. Hop. Allez, ça va être long, mais on va le découper. Non, du coup, voilà. Après, je sais pas comment je pourrais t'aider pour les notifs de live. J'ai déjà mis sur Discord et sur Twitch. Enfin, et elles sont sur Twitch. Donc, je sais pas. Alors, attends, je voudrais pas perdre mon caillou. Hop, je le pose ici. Et on va se manger un bon steak. De serpent. Voilà. Ce qui est très drôle, c'est que d'habitude, tous les autres singes m'imitent. Quand je mange ou un truc. Là, bizarrement, ils y vont pas. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas débloqué le truc pour dire, vas-y, vous pouvez tous bouffer comme des cochons maintenant. Quand t'as personne, apparemment, j'ai pas fait gaffe. Non, c'est pour ça. Hein. Bon, alors, il faudrait que, juste avant que j'arrête, enfin, que je fasse une actualisation de mes objectifs. Il faudrait que je bouffe des trucs que j'ai pas trop bouffé. Pour ça, il faudrait que j'en trouve.
Pour en trouver, faut que je scanne as fuck tout ce que je vois. En me disant, tiens, ça je l'ai bouffé, ça je l'ai pas bouffé. Il faut que je trouve des sources. Là il y a le cochon. Il faut que je trouve des sources de nourriture uniques. Sauf qu'il n'y en a plus beaucoup. Pour que je devienne bien omnivore en mode je peux bouffer de tout quoi. Ce qui est sympa. Il n'y a pas de danger par là. Apparemment non. Which is nice. Ah, ça, je l'ai pas mangé. Attends. Redonne. Je crois que ça... Ouais, je l'ai pas rebouffé récemment. Une noix de coco, il me semble. Et du coup, faut que j'en mange. Ça m'étonne qu'il n'y ait aucun danger par là, quand même, hein. Ça m'étonne un peu. Ah, un escargot. I want. Je veux un escargot. J'ai pas bouffé beaucoup d'escargots. Ça, c'est bien. Source d'une protéine. Enfin, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Bon, bah. Et le fruit, la noix de coco, du coup. Elle était où? Elle était là-haut. Faut que je lâche mon bâton. Bon, il y en a un qui vient de me... Non, quoi? Oh. Il y a un truc dangereux. Il est possible qu'il y ait un truc dangereux qui est en train... Type un tigre. Ça c'est quoi? C'est un croco? C'est un croco. Genre ça se trouve je me fais un croco en 2 secondes, ce qui serait ironique hein, quand même. Hein. Genre, ça se trouve, un croco en je peux... J'ai vu one-shotter des trucs, hein. Hop là. Alors. Normalement, je peux pas manger ni rien. Il faut que je la pète. Et normalement, en plus, maintenant, une fois. Voilà. Et on peut boire. Voilà. Des ploténines. Oh, le croco, là, il se sent pas... Il se sent pas de venir me faire chier. Bon bah, hey. Si le croco il veut venir jouer, qu'il vienne, hein. Déjà, on va te faire peur, comme ça tu vas te barrer, et ça me fait des points d'intimidation. Ça me fait pexer l'intimidation. Maintenant, viens. Tac. Ah bah, je l'ai one shot. Normal, la notion qui dit que tu joues à une fois. Oui, c'est normal, parce que j'ai changé de jeu, je l'ai fini. Je l'ai fini tout à l'heure, en une demi-heure, je l'avais fini. Donc, voilà. Allez, on va se manger un petit croco. Tout le monde est content. On est trop fort. Tu vois, genre, c'est débile. Il y a un facochère. Alors, j'en avais jamais tué, en fait. Je croyais que j'en avais tué, j'avais jamais fait. Et genre, mais des fois, c'est improbable. Hein. Ce qui est débile, c'est que je me dis, il y en a où tu devrais tellement les avoir tués qu'à la fin, je pense que tu devrais avoir un bonus en mode, tu peux... Pas trop fort, c'est toi qui l'es, c'est ça. Allez, on va manger du croco. Mange de la viande. En vrai, il faut que je mange de tout, donc... Bon, je pense que là, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je peux bouffer et faire peur. Enfin, en tout cas, de ce que je connais dans la zone. Ce qui est juste chiant, c'est qu'il faut que je fasse des trucs en groupe. Avec tout mon crew de chez moi. Bon, on va rentrer à la base. Voilà. On rentre à la base. Oh, qu'est-ce que j'ai vu qui était rond? Non, c'est rien. Allez, un petit bâton pour la sécurité. Merde, attends. Finis ton bout de viande. Voilà. Un petit bâton pour la forme. Et en plus là du coup maintenant je peux l'altérer one shot. Hop là déjà phase 1. Phase 2, allez. Ah oh, c'est un luxe. Ah oh, c'est un luxe de pas faire ça.
De pas se faire chier. Hein? Qui c'est qui est blessé? Celui-là qui est bébé, il s'est fait choper? Il est où? Eh! Oh! Mon con! Bah oui, hein! Et peur! Non mais... Il est où celui-là qui a les bébés? Il est où que je le sélectionne et que ça le soigne du coup? Oui, c'est un peu triché, mais c'est comme ça. Ah non, c'est pas lui. Attends, qui c'est? C'est toi? Qui est blessé? J'arrive pas à le voir. Pas toi. Pas toi. Ah, c'est lui. Il a bobo. Hop, et en fait, je vais le sélectionner. Hop, d'un coup, toutes ses blessures sont soignées. Quoi, je cheat sur la vie, l'endurance, tout ça. C'est faux. C'est faux, je cheat beaucoup. Comme quoi, j'avais bien fait de faire un bâton. Le bâton a été utile. Bon, je fais juste cette phase à la main parce qu'en final, il faut toujours que je fasse de l'XP sur ça. Alors c'est de l'XP à la Skyrim. Hein. Plus tu fais une action, plus tu as de chance que ça te donne un nouveau truc. Après, il y en a où je sais qu'il faut que je le fasse. D'autres, moins. D'autres, c'est un peu... Mais c'est tellement le jeu qui... C'est tellement le jeu où si je triche, je cheatais pas sur certains trucs, mais je me ferais chier. Ça m'emmerderait si fort et si vite. Et du coup, l'espèce de tigre à dents de sabre, c'est un truc qui pop au hasard. J'aime bien ce style de XP. La mécanique, c'est pas bien exploité. Ouais, c'est ça. Bah là, le problème, par exemple, c'est que là, du coup, en trichant un peu, je suis allé vite dans des trucs d'XP et du coup, bah maintenant, j'ai plus beaucoup de trucs à faire où c'est très long, j'ai l'impression. Où faut que je débloque certaines autres choses en faisant des trucs spécifiques, mais c'est hyper long, quoi. C'est genre... Genre, j'en ai un peu marre, quoi. Donc bon. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Comme là, tu vois, faut que je sente tout. Faut que je scanne tout le temps. Mais bon, ça, je l'ai fait tellement maintenant que j'ai beaucoup moins besoin. Mais c'est quand même long, quoi. Tu te fais chier. Allez, on va prendre la voie des airs. D'ailleurs, j'aimerais bien... Alors, il y a un truc que j'ai jamais eu. Il y a un piaf tout en l'air. Si tu restes apparemment en haut des arbres, il y a moyen qu'il y ait un piaf qui essaye de te buter. Du coup, je me dis, est-ce que je peux pas essayer de me le faire à un moment? Genre. À un moment, est-ce que le piaf, je peux pas essayer de le bouffer? Ce serait bon, ça. De se faire le piaf. Ça lui ferait les fesses. Et du coup, faut que genre j'aille sur les arbres les plus hauts, quoi. Genre en mode, faut que je le tente, faut que je l'attire, quoi. Et du coup, par exemple, la fumée là-bas, c'est une météorite. Et si j'ai des bébés qui n'ont pas de mutation génétique, parce que chaque bébé peut avoir une mutation génétique, et que je l'y amène, ça... Tu vas taper Opteroactif. Allez! Ouh! Je suis là! Viens! Viens, va papa. Bon, là-bas, il y a des meilleurs trucs. Hop! On saute de branche en branche. Il y a un meilleur point là-bas. Hop. Non, je vais plus haut à cet endroit-là. Vers ces endroits-là. Peut-être que je vais le voir à un moment. Mais je suis pas sûr. Mais peut-être que. Voilà, et là, je suis haut, hein. Là, s'il me voit pas, franchement, il cherche. Il est con. Hein. C'est pas assez appétissant, je pense. Ouais, c'est ça. Je suis trop vieux. Viande trop vieille. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça arrive un peu au pif. C'est juste ça qui est dommage. C'est que c'est genre... C'est au pif, donc faut que t'aies limite une arme dans les mains tout le temps, quoi.
Du coup, c'est un peu con. Ah, j'ai vu trop bas. Bon, allez, on est arrivé à la maison. Allez, je vais m'arrêter là pour l'expédition du jour. Après, je sais pas si je m'arrête là pour ça aujourd'hui. Alors, je vais attendre d'avoir tout le monde bien autour de moi, normalement. Voilà, j'ai terminé l'expédition, tout le monde est de retour à la maison. Parfait. Alors, on va juste lâcher mon bâton, mon caillou. Alors, qu'est-ce que j'ai pexé? Alors, j'ai pexé ça, ça, ça et ça. Bon. Alors, du coup, j'ai quoi? Les chances de réussite à intimider un adversaire hostile et le faire fuir sont améliorées. Sans être dans un groupe. Nice. Nanana, les chances de réussir à intimider le prédateur et le faire fuir sont améliorées. Bon, bah, c'est la même chose. Hein. Et par exemple, maintenant, faut que il est possible d'améliorer la tolérance à la peur causée par un prédateur ou une attaque. Donc en gros, faut que je me fasse attaquer. Et là, là il me faut une mutation génétique, donc ça marche pas. Là, il me faut plus d'entraînement, donc faut que je fasse plus. Un adversaire irascible, je sais pas trop ce qu'il considère un adversaire irascible. Et là, par exemple, l'intimidation en groupe n'est pas montée. Quoi? Mais selon quoi? Je viens de le faire 15 fois. Faut que je bouffe des trucs contre les toxines. Là, il me faut une mutation. Il faut que j'absorbe beaucoup de trucs. En gros, faut que je bouffe certaines plantes et certains trucs. Là, j'ai bouffé beaucoup de champignons, du coup, je peux absorber les nutriments. Tellement sympa, mais on va former. Ah ouais, clairement. Donc là, j'ai mangé beaucoup de champignons. J'ai mangé des œufs. Voilà. Vive les œufs. Donc par exemple, là, il faut que j'en remange d'autres œufs. Et là, une fois que j'ai bouffé tout, je me suis accoutumé à toutes les sources de nourriture, je serai omnivore total, je pense. Donc là, j'ai consommé de la viande, qu'est-ce qui me manque? Je sais pas. Et là, il me faut une mutation pour faire mieux. Là, il y a des trucs où je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi, clairement. Y avait pas autre chose que j'avais vu? Non. Je crois pas. Mais là, il y a des actions où c'est littéralement « Oh, esquive plusieurs fois !» Je l'ai fait un millier de fois et ça marche pas. Donc je me dis, il y a sûrement un autre... En fait, le problème, c'est que des fois, il y a des points qui sont reliés à d'autres points que tu ne vois pas encore, et du coup, c'est ça qui te le bloque. Donc en gros, t'es là. Par exemple, ça, pour acheter celui-là, faudrait que j'ai celui-là. Mais bon, ça... ça, je sais pas comment l'augmenter, celui-là. C'est sûrement avec ce neurone. Je suppose que c'est ce neurone quand je l'aurai. Donc, voilà, bon, ça c'est fait. Maintenant, on va voir si on peut faire des bébés. Tu es fertile. Tu es une femelle, je suis un mâle normalement. On va faire des bébés. Faut se reproduire au maximum, avant de changer de génération pour pouvoir, du coup, développer les mutations, faire de nouveaux bébés. Et une fois que j'aurai plus de bébés avec des mutations, que je pourrai plus en faire, parce qu'il y a un moment, forcément, je vais plus pouvoir en faire, bah du coup, là, j'évolue. Et d'un coup, ça va être cool. Du coup, est-ce qu'il y a une autre femelle? Du coup, les femelles, c'est celles qui sont avec un poil plus... plus doux. Ah, lien familial. Merde, je peux pas me la faire. T'es un mâle, t'es une femelle. T'es une femelle. T'es un mâle, t'es une femelle. T'es une femelle. Il me faut un autre mâle, s'il vous plaît. Un mâle. Toi, t'es fertile, mais t'as pas de lien. Plus soyeux, ouais, c'est ça. Voilà. On forme un couple, tout à fait. Maintenant, viens là. C'est horrible. C'est horrible. C'est la nature, après, hein. Et littéralement, elle est fertile, bon bah, tu pousses, hein. Tape dans le fond, je pas ta mère. Bon, il me faut un autre deuxième mâle, histoire que je puisse quand même envoyer
toi. Voilà. Bon, c'est un ancien, hein, mais bon, il n'y a pas d'âge. Voilà, sans partenaire, on n'a pas de lien de famille. Voilà. Non, je veux pas que tu me suives, je veux que tu... Ah, pardon, c'est parce que j'ai un truc en main. Excuse-moi. Voilà. Ah, faut en faire un maximum, hein. Parce que plus t'en fais, mieux c'est, hein. Plus t'en fais, mieux c'est. Et théoriquement, alors, théoriquement, c'est censé me donner certains points qui me permettent de garder des capacités pour plus tard. Genre, quand j'aurai un... quand j'évoluerai, en fait, ou que je changerai de génération, je garde ces capacités en mode l'héritage génétique, quoi. Mais du coup, c'est un peu compliqué à faire quand... normalement, t'es censé avoir un point pour garder une capacité par... merde, j'ai oublié le nom. Par. Une capacité par bébé. Putain, j'ai réussi à le dire. Toi, t'es un mâle. Ok, bon, je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais. Globalement. Bon, bah, on va faire naître. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On fait naître. Hop, vas-y, viens là. Faisons accoucher tout le monde d'un coup. Oui, ça marche comme ça. Alors, est-ce que j'ai une petite mutation? Ce serait bien. Ah, deux bébés sans rien! Ah, si, il y en a un qui a quand même une mutation. Cool. Quand même, heureusement, parce que sinon, bois le RMS. Et du coup, fais voir, j'ai eu quoi comme mutation? J'en ai une, bouh! Genre, les mutations, elles pourraient être au début. C'est genre au plus proche du cercle, ce qui me permettrait d'en débloquer, de débloquer vachement de trucs. Parce que bah c'est un arbre de compétences, hein, donc l'arbre, si tu le prends à la racine, c'est mieux. Non, non, fous-moi le truc au bout. Bon. Can I do more babies? Oui, c'est possible. On peut faire plus de bébés. Me demande pas. C'est pas moi qui dis, hein. Non. Non. Là, c'est un mâle. Ce qui est juste chiant, c'est que je ne... c'est un peu dur d'identifier des fois, hein, les mâles femelles, hein, j'avoue. J'avoue, hein, je suis pas l'expert, hein. Alors oui, ça se voit un petit peu, je suis d'accord. Dans une certaine mesure, on arrive à le voir, mais bon, hein, soyons honnêtes. Ah, du coup, dans le temps qu'il y en a une, elle a fait des bébés. Elle est plus... Ah bah tiens, toi t'es fertile, vendu. Elle est plus... Non, je suis pas déjà en couple avec. Ah si, je suis déjà en couple avec. Bon bah viens là. Le problème c'est que du coup, le temps d'une naissance, des fois il y en a qui ont vieilli et du coup ils sont trop vieux pour pouvoir continuer à reproduire. Donc là, à un moment, va falloir que je fasse... changement de génération, va y avoir une hécatombe. D'ailleurs, une hécatombe d'un coup, parce que tu parles, ça va être fantastique. Bah, dis donc, toi, tu restes planqué? Oui, non, mais j'avais dit que c'était bon. Ouais, bon, non, c'est là, je peux plus. Je peux plus, je peux plus. Bon, finissons cette dernière naissance qui, je pense, sera la dernière, globalement. Je pense que c'est la dernière naissance. Une petite... Ah, pas de mutation, connasse. Toi, tu peux encore? Can you? Est-ce que tu peux? J'adore le fait qu'il me copie tout le temps. Toi, non, tu n'es pas prête. Toi, tu n'es pas prête. Bon, bah, malheureux. Et là, j'ai plus beaucoup de femelles, hein, de certains âges. Hein. Ce qui est un peu compliqué. Toi, bon, bah, non. Bon, voilà. Du coup, là, maintenant, on va devoir faire un saut générationnel. Parce que, voilà. Je vais pas essayer de développer plus parce que voilà. Et du coup, je vais prendre toutes ces capacités que j'ai déjà débloquées à la pour que la prochaine génération. Normalement, si j'ai bien compris le système, je pense que je devrais les garder. Je ne sais pas s'il faut que je les redébloque. Enfin, les réachète. Parce que normalement, t'as des... normalement, le truc central, là, le gros rond blanc central, c'est ton XP pour acheter les compétences. Quand tu les débloques, genre, tu sais, j'ai le fameux neurone mature qui me dit ah, c'est bon, t'as découvert ça. Et du coup, normalement, t'es censé l'acheter avec cet XP que t'es censé avoir en traînant des bébés à 24,
avec toi pour qu'ils développent leurs neurones, et du coup, toi, tu développes plus de trucs, enfin bref. C'est à la fois compliqué et simple une fois que tu as compris. Mais c'est super. Là, le problème, c'est que par exemple, j'ai pas fait certains trucs assez. Et donc là, par exemple, il me dit tous les renversements doivent être effectués. Et là, bah, j'ai un problème parce que, en fait, non. J'ai les trucs à fond, mais voilà. Donc là, faut que je fasse ça normalement. Hop, hop. Et je suis à moins 45, ce qui va pas. Ah ouais, du coup, non, ça va pas marcher, je peux pas le faire. Je peux pas modifier les valeurs pour avoir une valeur qu'il me faut, moi. Genre là, 45. Je peux pas modifier le script pour genre 45 points. Ouais, c'est ça. Bon, hop. Tac, tac, tac. Et normalement, là, si je l'active, ça va me mettre à 0. Moins 6. Merde. Je suis. Bah, du coup, j'en ai 6 de trop. Du coup, je vais mettre 39. Non, ça marche pas. Ah, attends, faut que j'en enlève et que je les remette, c'est ça? Non? Là, j'ai plus de points renforcement. Le clan doit avoir au moins un enfant. Ben, j'ai un enfant, normalement. J'en ai un. Vous êtes un adulte, vous trouvez dans le campement et tout ça. Ben, c'est bon. Qu'est-ce qu'il te faut? Tout l'enfant doit être effectué si possible. Alors, si possible, oui, mais c'est pas possible. Merde, c'est bloqué. Je peux pas. C'est buggé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde, hein. J'essaye de trouver le truc. Ouais, je suis à moins 39, mais ça m'aide pas. Comment je peux faire? Comment je peux faire? J'essaye de voir en trichant pour aller vite, hein. C'est vraiment juste pour ça. Ça va être beaucoup plus sympa de pas se prendre la tête. Donc j'ai 6 points. En gros, faut que je m'en donne. Faut que dans l'idée, je m'en donne. Je m'en donne genre. Du coup, j'avais moins 45. Du coup, si je les mets là, les 6. Que je peux faire? Non, je peux pas faire. Ça marche pas. Donc il y a un autre truc. Il y a un truc qui va pas. Faut que j'ai un enfant dans mes bras. Non. Faut que je porte bébé. C'est ça? Y a un truc à la con comme ça? Si c'est que ça, ok. Peut-être remettre le truc et être. Non. Ah non. Je suis dans un campement. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai bien un bébé, je suis bien adulte. Ah non, adulte, je suis peut-être. Je suis un vieux, peut-être faut que je sois un jeune. Oui, bah oui, c'est peut-être juste ça, c'est peut-être juste faut que je sois de cette génération qui est encore adulte. Parce que si je prends un vieux, bah je meurs en fait. Je vais sûrement mourir dans la foulée. Et du coup, ça va pas marcher. Je peux pas lancer le changement. C'est ça. Bon, maintenant que j'ai cette information, est-ce que je peux. Grâce au machin, tricher. Est-ce que je peux enfin tricher comme un cochon? On va voir. On va voir, on va voir. Je vais essayer. Putain, c'est un système fait avec le cul. Hein? On est d'accord. Genre système fait où. Oh, faut être logique, hein, quand même. Hein. Ah la vache! Bon, sinon, hein, ça va? Ça s'est bien passé ta journée, tout ça? Le week-end aussi? Oh non, stop les tricheries. Oh non, tu rêves, je commence, je vais pas arrêter. Là, en fait, sinon, faut que je joue H24. Et c'est même plus drôle, quoi. À la fin, c'est juste tu fais du jeu pour farmer, quoi. Et c'est plus intéressant parce que moi, je me dis à un moment, il y a sûrement un côté exploration dans tout ça.
Et du coup, j'ai très envie de voir le côté exploration. Bon, bah, du coup, on va changer de génération, on va voir ce que ça va faire, hein. Et si ça va, et si je peux plus faire de bébé, bah après je fais une évolution. Je vais pas avoir beaucoup évolué là parce que le premier coup j'ai évolué comme un malade, du coup le deuxième ça va être très calme. Donc là regarde, oh le papy il dit au bébé regarde, oh et là le bébé il va grandir. Voilà. Ça a été mes journées pas ouf de chiot aujourd'hui. Oh merde. Enfin, on rentre dans la lignée de phase de maturité 2. Terminé. Cool. Mutation génétique révélée, du coup, ça c'est cool. Tous les bébés, du coup, ont fait des mutations. Alors j'ai eu des morts. Hein. Il y a eu des morts dans le lot. Et du coup, maintenant, je devrais pouvoir acheter des trucs, peut-être, grâce aux mutations qui ont été enfin débloquées. J'espère. Bon, alors, c'est pas que j'aime pas que vous soyez tous en tas. Mais c'est un peu chiant. Je suis une femelle, je suis une femelle. Je voudrais un mâle. Ça, c'est une femelle. Je voudrais un mâle, limite. Un vieux mâle. Les moyens? Ça, c'est les vieux mâles. J'adore parce qu'ils n'ont pas bougé. Ils ont littéralement pas bougé. En mode, ils sont restés là. Pourquoi bouger? Donc. Femelle. Es-tu une femelle? Tu es un mâle. Oh. Alors, j'ai besoin de femelles. Putain, j'espère que j'ai des femelles, hein, parce que sinon ça va être drôle. Hein. Est-ce que vous pouvez tous me suivre pour vous séparer du lit? Juste pour la forme, parce que c'est pas que ça fait chier, mais vous êtes tous collés. Allez, bougez un peu. Bougez. Mangez, bougez. Juste pour que j'ai pas à chercher qui quoi. Voilà, merci. C'est gentil de vous séparer. Bon! C'est l'heure pour tout le monde d'enfanter. Enfin, toutes les femelles. J'espère que j'ai beaucoup de femelles parce que sinon. Waouh, j'en ai une! C'est incroyable! On va aller loin! Et le pire, c'est si j'ai des femelles qui n'ont même pas fait de mutation. Donc je vais être là. Ah! Même pas intéressant! Ça va être un tour à vide. Je crois que j'ai une femelle dans les jeunes, dans les adultes. Tu te dis, ça va être pratique pour se développer. C'est genre, ils ont fait que des mâles. Que des fucking mâles. Genre, y a pas eu un jeune. Il n'y a pas eu de femelle. Ah si, quand même. Quand même. Bon, comme quoi, hein, c'est que c'est le vieux reproducteur, hein, le chef de tribu. On connaît les termes, hein. Viens là! Choloperie! Il y a un singe qui nous regarde. Je crois qu'il nous regarde là. Bon, je pense que le dernier c'était un mâle là, celui-là qui est là-bas. Il me semble. Bon, bah, Podzob, on va donner naissance. Et espérer que ça nous donne quelque chose d'intéressant. Tiens, j'ai pas regardé les évolutions. Et du coup, ça, c'est des points qui sont pour l'instant débloqués, mais quand faut que je fasse une évolution pour les avoir. Et une fois que j'aurai fait une évolution, paf! Là, je vais pouvoir les. Ça se trouve, ça va me débloquer plein de choses et ça va être cool. Bon, est-ce qu'il y en a un qui meurt dans la foulée? Ah, il y en a un qui est pas loin de mourir. Nouveau bébé. Oh, il y en a un qui a une mutation. Yes! Dextérité. Ah, ça va peut-être m'aider. Give a look à la chose. Ok, ça va peut-être m'aider dans l'avenir. Bon, alors les deux femelles. T'es refertile, vendu. Vraiment le gameplay là. Ah, le gameplay. Le gameplay ensemenceur. Hein. Je suis désolé, hein, mais c'est littéralement ça. Hein. Mais après, là c'est pour avoir des évolutions. Et du coup, bah, je suis désolé, ça marche. Hein? Je suis désolé, c'est le but. Est-ce que la deuxième est prête ou est-ce que la deuxième en peut plus déjà? Ce qui est possible. Non, elle est fertile. Hey!
En plus, faut que je me méfie parce que faut pas qu'ils deviennent vieux. Parce que s'ils deviennent vieux, je peux plus garder un. Je peux plus avoir. Je peux plus garder la génération, quoi. Genre, je peux pas évoluer de génération. C'est genre, c'est niqué. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est niqué de c'est niqué. Mais il y a un moment, j'ai chassé. Je sais plus, c'est ce week-end, genre dimanche ou samedi. J'ai fait un gameplay chasseur. Littéralement, j'ai tout chassé. Tout a été chassé. J'ai buté tout ce que je pouvais. Ah merde, pas de mutation. Vous êtes nuls. Bon, je vais supposer que très fortement que vous pouvez plus rien faire. La deuxième, celle qui est déjà allongée, est-ce que tu peux. Est-ce qu'on peut s'accoupler? Je sais pas. On va essayer. Par contre, 4 bébés, c'est peu pour une prochaine génération. Hein. Non. Bon bah, je suis baisé. Bon bah, allez. Hein. Et par exemple, là, du coup, bah, ça, j'ai rien à mettre parce que j'ai rien acquis entre deux. Mais faut que j'ai quand même quelque chose à faire. Ah! Ah! Bon bah je peux plus faire de génération, bah du coup ça va être une évolution. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. J'ai fait 16 naissances, c'est pas mal. Bon bah on va faire un bond d'évolution. J'ai pas le choix. Alors, lorsque vous avez les neurones, mutation spontanée non portée par les adultes ou les anciens disparaîtront. Bon, on va apparaître dans les futurs, mais bah, je vais dire oui. De toute façon, qu'est-ce que tu. J'ai pas le choix, hein. Là je peux rien faire d'autre. Allez, pour les évolutions, j'ai utilisé deux ophélies avec le basalte. J'ai découvert l'émeraude. Je suis en avance de 5000 ans. J'ai utilisé deux fois l'obsidienne comme outil. En avance de 10 000 ans. J'ai renforcé le phase 3. Tu le dis. Nouvel accomplissement. Développement dans la première phase. Cool. Je comprends pas tout ça, hein, j'avoue là. J'avoue, je suis pas au fait de tout ça. Hein. Alors j'ai fait des campements, des machins. Cool. Je laisse passer le truc, je lis toutes les infos. Oui, j'ai fait deux outils, machin. Moi, il y a des trucs que j'ai terminé apparemment. Donc c'est cool. J'ai intimidé un python, oui, plusieurs fois. Pas que là, hein. J'ai poussé un python à tuer un tigre à dents de sabre. J'ai tué un python. J'ai poussé un dent de sabre à tuer un facochère. J'ai utilisé le bon outil deux fois sur une carcasse. Pas très dur en même temps. J'ai fabriqué au moins 5 fois un broyeur en granit. Ça sert pas beaucoup pour l'instant. J'ai découvert le refuge de la cascade de la jungle. J'ai assimilé le nutriment des insectes. J'ai construit 5 fois un lit. J'ai établi un campement de haut 13 à 15 membres. J'ai intimidé un dent de sabre doré. J'ai utilisé deux fois les ronces comme outil. J'ai esquivé deux fois un facochère géant. J'ai poussé un dent de sabre à tuer un python. J'ai esquivé deux fois le dent de sabre doré. Ça va être long. Hein. Et bon, faut que je le fasse ça. Faut tout voir pour plus le revoir après. J'ai esquivé deux fois un dent de sabre noir. J'ai utilisé deux fois l'outil pour fonder un trou. J'ai tué un crocodile. En fait, c'est dans l'ordre que je les ai fait. Hein. J'ai découvert la cascade de la falaise. J'ai découvert le petit marais.
J'ai esquivé deux fois un python. Oui, parce que je contre-attaque plus que ce que j'esquive. Du coup, les esquives, elles arrivent très tard. J'ai dégoûté un nouveau lieu. C'est long ? Non, c'est normal. J'ai esquivé deux fois un crocodile. J'ai poussé un crocodile à tuer un dent de sabre. J'ai tué un dent de sabre noir. J'ai découvert un refuge. J'ai découvert un site remarquable. J'ai triomphé de la peur de l'inconnu 5 fois, c'est-à-dire j'ai étendu ma map. J'ai trouvé encore un refuge. Je suis le roi des refuges. Et je refuse qu'on me dise l'inverse. J'ai trouvé un site ancestral. J'ai trouvé un autre site remarquable. J'ai trouvé un refuge. Bon, à un moment ça va se calmer. À un moment ça va finir. J'ai tué une loutre. Oui, il y a des loutres dans le jeu. Me demande pas pourquoi. Des loutres. Ok. J'ai trouvé encore un site. Ah, forcément la tanière des loutres. J'ai esquivé deux fois une loutre. J'ai esquivé deux fois un tigre blanc. J'ai esquivé deux fois un hippopotame. J'ai bouffé de l'hippopotame d'ailleurs. J'ai tué un hippopotame. La suite logique. J'ai tué le tigre blanc. J'ai utilisé le bon outil pour un emplacement de pêche deux fois. J'ai triomphé de la peur de l'inconnu 10 fois. Mais il n'y a pas tout là. 51 prouesses ajoutées. Avancée des prouesses en science, plus 1 milliard d'années, bonus en avance. Machin, je suis 350 000 ans plus rapide que la science. Plus 16 naissances, qui va me donner un boost. Je suis en avance de temps. Voilà. Et grâce au passage du temps, j'ai évolué ce qu'on appelle dorénavant le Aurorin Tungenesis, l'homme du millénaire. Voilà. L'homme du millénaire a le contrôle de ses émotions. Ouh, nouvel aspect, nice, nouvel aspect de gameplay. Maintenez L1 pour définir votre état d'esprit. Vous notez que certaines situations dramatiques vous affecteront toujours. Ok, ah, je savais pas que ça pouvait faire ça. Je suis l'homme du millénaire. Ce serait bien que ce soit vraiment moi, là, que je peux vraiment me mettre debout comme ça. Genre constamment. Ce serait beau. Je sais pas après. Je sais pas comment ça va se passer. Ah, du coup, je suis pas dans le même endroit. Ok. D'accord, en fait, si j'ai trouvé... En fait, il m'a mis dans un autre refuge. Oh, le connard. Oh, la vache. D'accord, c'est pas le même endroit. Parce que la dernière fois, il m'a refait recommencer au même endroit que le premier coup. Que quand j'ai commencé le jeu. Là, il m'a mis à un autre endroit, d'accord. L'homme du millénaire. Non. Maintenez là pour définir votre état. C'est-à-dire... Comment ? Intimider. Donc en gros, je peux le faire volontairement. Je vois pas trop l'état de ça. Ça, ça me permet d'être intimidant. Ça, je vois pas trop. Ok, bon, va chercher. Bon, du coup, je fais ma base. Ah oui, non, attends, ça va bugger. C'est vrai que ça bug le jeu quand je suis en cheat. C'est vrai. Ça marche pas beaucoup. Donc voilà, j'ai établi mon campement. Est-ce que je peux faire mon évolution maintenant? Et qu'est-ce que j'ai gardé? Ah, j'ai appris la capacité encéphalisation. Pour accumuler davantage d'énergie neuronale. Nice. J'ai acquis plein de nouvelles choses. C'est cool.
Vous pouvez accumuler davantage d'énergie et de résistance. Oh, c'est trop bien, j'ai fait un vrai bon. Il doit vraiment maîtriser les notions d'être vigilant ou alerte. D'accord. La capacité à synthétiser les neurotransmetteurs améliorés, accumuler davantage de dopamine. Oh là là, de l'amélioration. Un bras une nouvelle amélioration dans tout. Les actions consomment moins d'énergie. Les obtient immunité contre les envenimations, requiert moins d'objets curatifs. Mémoire échoïque. Il possède se souvenir de la position d'un objet en être vivant supplémentaire. Nice. Unité contre les hémorragies. Les vertus curatives du sommeil dans un endroit où dormir sont améliorées. Cool. La probabilité d'infliger une frappe mortelle est améliorée. Oh oui, oh, trop bien. Ah ça je veux. Oh je veux. Ça c'est bien. Oh, parfaitement. Oh, je veux. Donc, les découvertes et la création et l'utilisation d'outils rapportent plus de dopamine. Cool. Les interactions sociales rapportent plus de dopamine. Cool. Les prouesses physiques rapportent plus de dopamine. Très bien. On est content. Alors, s'aventurer dans une zone inconnue génère moins de peur. Cool. Après, je crois pas que j'ai eu plus de trucs que ça. Et bah, c'est bien. Bon. Et bah, c'est bien, moi je dis. Est-ce que je m'arrête pas là pour aujourd'hui? De toute façon, là aussi, il va falloir que je m'arrête parce que du coup, ça bug sur l'installation et tout ça. Du coup, bon. Donc, ça sauvegarde, ça va. Il va falloir que je retrouve mon clan. Enfin, que je me refabrique un clan. Ça va être un bonheur. Ça va être un bonheur de refaire le clan. Ah bah tiens, il y en a un juste au-dessus. Pas très loin. Il est juste là-haut. Là. You look. Je peux aller le chercher ou pas? Après, je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas des évolutions qui étaient bloquées derrière le fait que j'étais pas assez avancé dans le truc? Qu'est-ce que t'as? T'as bobo? T'as bobo, ok. Du coup, tu veux un truc pour te soigner. Que là, la pâte, ça va pas te plaire. Ou ça? Ça, ça va pas te plaire. Ça, ça te fera pas du bien? À tout hasard? Bon bah bonne nuit Frax hein, du coup. Mon pauvre, je t'ai tué. Ah oui, si, c'est ce qu'il fallait. Il avait bobo, du coup il lui fallait ça. Du coup tu es avec moi. Tu es membre du clan. Tu es un mâle. Est-ce que je suis une femelle? J'en sais rien. J'arrive pas à savoir, c'est un faux. Non, je suis un mâle. Mes parents sont morts. Bon. Bon bah, on rentre. Plouf. Oh, il y a des lucioles, c'est joli. Allez. Et du coup, je peux pas finir l'expédition, ce qui est un problème. Mais bon. Donc, faut que j'arrête. Bon, allez, je m'arrête là. De toute façon, demain, faut que je sorte. Des bisous à tous ceux qui sont venus, qui ont regardé tout ça, tout ça. À la prochaine pour d'autres aventures, on verra. Je vois en fonction d'eux. Voilà. Des bisous tout le monde. Salut, salut!